Yo tout le monde, c'est Damods. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant que la vidéo commence, je tenais juste à vous préciser, ne m'insultez pas dans les commentaires. Enfin, là je rigole. Parce que tout simplement, j'avais dit que je la ferais mercredi après-midi. Donc là je la tourne mercredi après-midi. Mais peut-être qu'elle sera, enfin, elle sera postée tard, de toute façon, vers, enfin tard entre guillemets, que j'ai pas l'habitude, genre vers 7-8 heures. Voilà, tout simplement parce que j'avais zappé qu'il fallait que je fasse une vidéo et que j'avais pas très l'envie. Mais là, là, ce que j'ai vu sur YouTube, sur Internet en ce moment, ça m'a bien boosté, les gars. Alors, je voudrais parler. Excusez-moi, j'arrive plus à bégayer tellement YouTube, c'est devenu de la merde. Enfin, c'est pas devenu de la merde, mais c'est parti en couille. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait, YouTube, mais ils ont instauré des nouvelles règles. Voilà, ils en ont même pas parlé. Tiens, Zbub, je te donne ça, tac. Voilà. Donc, en gros, les règles, c'est quoi? Je vais vous faire lire l'extrait après. Mais en gros, donc, je t'explique, gros. T'as même plus le droit d'insulter. Donc, d'insulter, genre, de rager sur PO3 ou quoi, tu vois, normal. T'as même plus le droit de parler de catastrophes naturelles. Voilà, gros, oh, c'est pire qu'une maternelle, YouTube, maintenant, on dirait que c'est la maternelle. Ouais, franchement, ça me fait penser à ça, et encore, la maternelle, c'est moins strict. Gros, YouTube, on dirait que c'est le monde des bisounours, wesh. Putain, donc, je vais pas attendre, là, ça m'énerve, là. Donc, je vais vous passer l'extrait, voilà. Lisez ce qui est en bleu, les gars, et après, donc, regardez. Donc, si vous souhaitez monétiser une vidéo sur YouTube, elle ne doit pas contenir... de contenir de contenu à caractère sexuel, même si c'est humoristique. Donc ça, après, c'est normal, vous voyez, ça, je m'en battais les couilles parce que je faisais pas de porno sur ma chaîne. Voilà. Après, contenu violent, notamment lié à l'extrémisme, ça, je m'en bats les couilles aussi parce que je m'en... Voilà, je parlais pas. Et langage inapproprié, frère, mais c'est quoi ce bordel? C'est... En gros, c'est devenu une maternelle, YouTube. Théma, langage inapproprié. Bon, harcèlement, ça c'est normal, blase, je sais pas quoi, et langage vulgaire, est-ce que ça devient l'idée un jour, t'es sur Call of, et quand tu rages, au lieu de dire des gros mots, tu dis, oh mince alors, il m'a tué, bien joué à toi, non, non, moi quand je rage, t'es pas ça, ça fait, enfin, tu enculé, fils de pute, voilà, excusez-moi pour les vulgarités, comme ils disent YouTube. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc, peut-être qu'il y en a qui verront pas cette vidéo, parce qu'elle sera supprimée avant. Mais donc moi pour vous dire, de toute façon, même si je dis genre des oh putain merde ou quoi, normalement, je dis bien normalement, mes vidéos seront pas supprimées, tout simplement parce que je monétise pas ma chaîne, je monétise pas mes vidéos. Donc en fait, ceux qui monétisent leurs vidéos et ceux qui disent des gros mots, ceux qui parlent de ce voilà, ce genre ceux qui parlent des terroristes et tout, et ben hop, ils enlèvent comment? Ils enlèvent la monétisation. Mais vu que moi j'en ai pas de monétisation, eh ben ils l'ont dans le cul. Bref. Ensuite, contenu faisant la promotion de substances interdites, donc drogue. Gros, qu'est-ce que tu peux t'en battre les couilles de dire, enfin de citer, je vais pas en citer parce que de citer des noms de drogue. Qu'est-ce que ça a rapport avec terroriste et tout? Ça, je comprends plus rien. Et après, contenu traitant des sujets et d'événements controversés, c'est-à-dire ou sensibles, donc c'est-à-dire que des attentats ou quoi, tels qu'une guerre, voilà, un conflit politique, ça on s'en bat les couilles, une catastrophe naturelle, catastrophe naturelle. Donc là, j'ai pas compris. Ou alors j'ai peut-être compris, mais là ils se foutent de notre gueule, ils nous ont mis la quenelle, mais bien profond YouTube les gars. Oh, faut réagir un moment. Regardez, traitant des sujets et d'événements, non ça, voilà, je m'en bats les couilles. Une catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle, c'est-à-dire que t'as même plus le droit de parler de tornade, de parler de tempête, de... Voilà, même si tu dis genre, oh, il y a une tempête, ça a fait telle mort ou quoi, bon, t'as pas besoin de préciser les morts, mais voilà, et ben t'as plus le droit d'en parler, ou une tragédie, voilà. Donc si votre vidéo est concernée, vous ne pourrez plus monétiser votre vidéo, ou certains formats d'annonces ne pourront plus... ne pourront pas être intégrés à votre vidéo sur YouTube. Donc bah moi de toute façon, vu que je ne monétisais pas mes vidéos, bah ça changera rien sur ma chaîne. Peut-être que si je recommence, ils vont peut-être supprimer quelques de mes vidéos. Mais bon, je ne vais pas trop chercher non plus parce que voilà. Donc placement de produits interdits sur YouTube, bah, ça on s'en bat les couilles. Voilà. Donc les gars, dites-moi en commentaire.
Qu'est-ce que vous en pensez des nouvelles règles YouTube? Moi, pour ma part, mais ça. C'est tellement abus. Pardon? Ça, t'imagines à cause de ça, ma vidéo est supprimée, gros? Ah, ça va être le feu. Non, je rigole. Non, parce que j'avais envie, j'ai besoin de boire du coca en plus. Bref, on s'en bat les couilles. Donc, ouais, YouTube, on dirait vraiment une maternelle en vrai. Mettez sur pause et lisez ça si vous n'avez pas compris, hein, les gars. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Aussi, mettez un gros pouce bleu énervé tant qu'on y est. Parce que là, là, mon gars, c'est devenu. C'est parti en couille, YouTube. Hein. Bon, ça, tu vois, contenu à caractère sexuel, même si c'est humoristique, tu vois, à la limite, si tu fais une blague, bon, c'est pas grave, mais bon. Là, en ce moment, c'est vrai que YouTube, on aurait cru YouPorn quand même. Hein. Voilà. Après, bon, ça, j'ai pas compris, c'est le truc qui m'a le plus, entre guillemets, choqué. Regardez, langage vulgaire, les gars. Bon, nique ta mère, d'accord, ça, oui, mais genre pour un. Putain, tu vois, quand tu rages, quand tu fais ça, eh ben, genre, t'auras plus de monétisation. Et ça, c'est vraiment. Vraiment chaud quand même. Hein. Parce que moi, ce que je vais faire maintenant, les gars, je vais même plus rigoler. Genre, je vais. Dès que je me fais tuer sur Black Ops 3, je coupe mon micro, je rage, je rage, je rage. Et après, je remets mon micro. Au moins, ils pourront pas dire que je rage. Voilà. Donc, bah voilà, c'était une petite vidéo. C'est pas un débat parce que. Voilà quoi. Mais franchement, YouTube, c'est vraiment parti en couille en ce moment. Bon, après, je les comprends parce qu'ils font sûrement ça à cause des attentats. Voilà, tu vois, parce que les terroristes, ils recrutent sur Internet, hein, pas que sur YouTube, bien sûr, mais il y en a, ils recrutent sur YouTube, donc ils évitent un peu tout ça. Donc je les comprends, mais langage vulgaire, ils pourraient pas l'enlever, ça. Limite, moi, qu'ils enlèvent que ça, mais qu'ils laissent tous les autres, je m'en bats les couilles. Mais que langage vulgaire, quoi, ils enlèvent que ça. C'est. Bon. Je vais pas me répéter. Lâchez un gros pouce bleu énervé, les gars. Donc, là, je vais sortir. Je suis désolée, vraiment, si la vidéo, elle sort un peu, genre, tard. Parce que demain, il y a cours en plus. Oh, demain, je fais une petite journée, les gars. Voilà. Donc, oh, putain. Oh, je vais pas bien, moi. Laissez un gros pouce bleu énervé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des nouvelles règles. Abonnez-vous. Et aussi, maintenant, les vidéos, ça va toujours être le mercredi après-midi. Et peut-être le week-end. Donc là, ce week-end, je vais essayer, si j'ai de l'inspiration, de vous en tourner une. Je sais pas encore faire quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je verrai. On verra bien. Parce qu'en ce moment, j'ai plus d'inspi. Donc voilà. Donc, les gars. Moi, ben, j'allais dire un truc, mais. Et voilà. Moi, je vous laissais sur ces images. C'était Damod. Là, mettez encore une fois sur pause pour relire ça. Et voilà. Et moi, je vous laissais sur ces images, les gars. C'était Damod. Ciao.